Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous dis bonsoir et bonjour. Un bonsoir spécial et un bonjour spécial quand même aux téléspectateurs de Lubumbashi qui nous appellent sans cesse pour nous remercier, pour nous féliciter, pour nous encourager, pardon. Nous leur adressons un bonsoir et un bonjour spécial. Je vais présenter mes invités. Tout d'abord, Monsieur Modeste Bonigaba. Monsieur Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Ensuite, le professeur Kassongo Numbi. Professeur, bonsoir et bonjour. Bonsoir, Monsieur Kibambi. Alors, quelqu'un qui n'est plus venu depuis quelque temps, puisqu'il avait effectué un petit voyage en Afrique, dans un pays frère et ami. Monsieur Roger Ganzumba, bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir, Monsieur Kibou. Tout cela use pour permettre à mon caméraman de vous présenter de face. D'accord. Alors, c'est la suite de l'émission de la fois dernière. C'est pour cela que je m'en vais poser la première question à Monsieur Roger Ganzumba. Vous avez suivi cette émission avec délectation, vous n'y avez pas participé, et c'est la raison pour laquelle je vais vous demander ce que vous avez retenu de la dernière émission que nous avons réalisée au cours de ce même sujet, université et après. J'étais particulièrement frappé de mon salon d'où je regardais l'émission par le dire du professeur Kassongo Numbi qui enseigne à l'université et qui dit que cette université était prévue pour 4 000 étudiants au départ. Et maintenant, ils sont 20 000. Voici le rapport qui m'a frappé. Des infrastructures prévues pour 4 000 étudiants qui doivent en accueillir 5 fois plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai retenue de ce qu'il a dit, c'est que les étudiants, ils passaient, il a observé les étudiants qui suivaient le cours donné par un autre professeur. Il a vu que les étudiants s'agglutinaient aux fenêtres pour essayer de suivre ce qui se disait dans la salle, alors que la salle était déjà pleine, étant donné le surnombre Oui. d'étudiants par La capacité faculté. d'accueil. Et il y a une bonne partie qui suit à partir des fenêtres. Ça, c'est l'une des choses que le professeur Kassongo Numbi a dites, qui m'a sidéré. Et la dernière, c'est au nouveau département qu'ils viennent de créer de gaz et pétrole, je ne sais pas, pétrole et gaz. pétrole et gaz, comme ça se nomme exactement, et que les étudiants doivent se cotiser pour louer les locaux disponibles à travers le campus. Et lorsque ces locaux ne sont pas disponibles, le professeur ne peut pas dispenser Dispenser. son cours. Parce que les étudiants n'ont pas, malgré que ce n'est pas à eux d'abord à rendre disponibles les locaux, mais puisqu'ils veulent encore les payer, mais on n'en trouve même pas. Et comme ça, la charge horaire sur l'année ne peut pas être comblée. Alors, respecter. on veut que les étudiants arrivent à des résultats, alors qu'on ne leur donne pas les moyens qui ne dépendent pas d'eux ni de leurs parents. Donc, arrive à l'excellence que nous exigeons d'eux, pour paraphraser mon ami Modeste Bonigaba, qui avait beaucoup insisté ce jour-là sur l'excellence. Est-ce que tout le plateau est d'accord avec cette, n'est-ce pas une caricature? Oui. Bon, je crois en tout cas, je le félicite d'avoir résumé exactement ce que j'ai dit. Mais je pense que sur ce registre, parce qu'il a eu d'autres registres d'excellence, je ne veux pas revenir. Le fait est que quand j'enseigne, par exemple, le captage par puits, le puits est cylindrique. Les étudiants ne connaissent pas comment on calcule la surface du puits cylindrique, parce qu'ils ne connaissent pas comment on calcule la surface latérale d'un cylindre, parce que l'enseignant qui doit donner cet enseignement est du primaire où il est mal payé.
Voilà un problème. On ne peut pas redresser l'enseignement supérieur sur l'enseignement secondaire et primaire, sur lesquels l'enseignement universitaire repose, est en déliquescence. Parce que les enseignants, comme vous le savez, du primaire et du secondaire, au lieu d'enseigner comment on calcule la surface d'une sphère et tout, parce que la Terre est sphérique, il y a beaucoup de phénomènes de l'astronomie, des cours qui demandent des formes géométriques, mais comme l'enseignant du primaire est à la place Golgotha, au lieu d'être dans sa salle en train d'enseigner, vous voyez que ça fait que nous recevons des produits non finis. Quelque chose à ajouter, Monsieur Benigaba, pour résumer. Continuer dans le même sens que le prof Kasongo. Je voudrais dire que, effectivement, nous l'avons effleuré ce jour-là. Nous avons, nous tous, reconnu que l'université, c'est l'aboutissement de tout un parcours. Tout à fait. Donc, si on n'a rien fait pour que, depuis l'école primaire, on inculque effectivement la recherche de l'excellence, parce que sans fausse modestie, c'était comme ça à notre époque. La sélection commençait déjà à l'école primaire. N'allez pas à l'école secondaire, comment on appelle ça, on appelait humanité longue, qui veut. Non, c'était quelques-uns qui avaient été observés pendant toute la... tous les parcours là du primaire, on voyait déjà ceux qui vont gentiment faire l'école professionnelle juste après l'école primaire, d'autres qui pouvaient aller jusque 4 années de école moyenne, et enfin les autres qui étaient appelés à faire des études les plus poussées. D'accord. Donc c'était déjà depuis l'école primaire, on pouvait voir ça. D'accord. Et puis à l'école secondaire, c'était une façon d'affiner encore davantage cette sélection. De sorte que quand on arrivait à l'université, d'abord déjà la rédaction, écrire des lettres ou rédiger des dissertations, parce que c'était l'épreuve la plus importante. L'une des plus importantes. On avait même des concours de dissertations. Tout à fait, quand on était aux humanités. Interscolaires. Donc, effectivement, si on ne revient pas à cette rigueur-là qui prépare dès l'école primaire, ceux qui ont les aptitudes à faire des études universitaires et post-universitaires, on travaille pour rien. D'accord. Voilà pour le constat. Mais nous avons également évoqué cette nécessité de créer dans le chef de l'enseignant une sorte de fierté personnelle afin que les étudiants qui le suivent puissent avoir envie de devenir comme eux. Et comme par hasard, vous avez rencontré un chercheur de notre pays, du Nigeria, qui a insisté sur ce que le professeur disait déjà, que le professeur ne doit pas être un savant qui est assis dans son bureau, mais ce doit être également un savant qui doit tout mettre en œuvre pour essayer non seulement de dispenser le savoir aux étudiants, mais de vendre ce savoir. Il paraît que c'était marché porteur. Oui, c'était à l'occasion d'un... Parce qu'à l'époque, effectivement, j'étais encore dans ce milieu-là. On avait un séminaire international au Nigeria, à Lagos. Et un professeur nous dit, mais nous, au Nigeria, ici, le salaire, on ne s'en occupe même pas. Parce que... on est tout le temps dans les recherches, donc ce sont les honoraires, ce sont les frais de recherche qui nous font vivre. Parce que, à peine on a terminé une étude, qu'il y a déjà une autre qui attend et qu'on démarre, ainsi de suite. Donc ce sont des choses qui sont à notre portée, parce que c'est un pays africain. Le Nigeria, c'est un pays africain. Chez nous, on pouvait faire la même chose. À l'époque, déjà... on avait des difficultés avec nos centres de recherche comme l'IRES et d'autres. Ça a commencé déjà à péricliter. Et pourtant, c'est avec des centres comme ça qu'on attire les recherches qui viennent. Parce que tous les pays du monde sont en plein dans les recherches. Ça n'arrête pas. Donc c'est un marché, disons, inépuisable. Il faut maintenant savoir les attirer.
et montrer que vous avez un personnel outillé pour faire les recherches dont vous avez besoin. Merci, monsieur Bonigaba. Vous aviez quelque chose à ajouter avant que nous ne passions la parole au professeur? Passez là au professeur, peut-être que oui. Je répondrai mieux. Oui, professeur, ce qui vient d'être dit est important. C'est peut-être facile à vendre ce savoir pour vous qui avez fait les sciences, j'allais dire exactes, vous êtes géologue, géologue. C'est plus facile pour vous, pour ceux qui ont fait des lettres, vendre cette expertise est peut-être plus difficile, non? Oui, mais peut-être c'est mon défaut d'être enseignant. Je crois que pédagogiquement, ce qu'il a dit découle d'un constat qui a été fait la fois passée, que la qualité de l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire, universitaire, a un coût. Comme j'ai dit, si les enseignants secondaires et primaires sont en train de réclamer leur salaire chaque jour sur la place Golgotha, les produits que nous allons avoir ne seront pas finis. Maintenant, qui paye ce coût? C'est là le problème. C'est là que j'attire l'attention de mes collègues professeurs, que je suis tout à fait d'accord de la vision qui est la nôtre au Congo. J'attire l'attention de mes collègues professeurs et l'attention des dirigeants de notre pays qu'il y a un coût. C'est impossible de faire sans ce coût. Mais ce coût, c'est grand. Je n'entre pas dans les auditoires à construire. Je parle seulement pour que le professeur acquiert de la connaissance. Comme je l'ai dit, il faut qu'il participe à tous les symposiums. À un grand nombre de symposiums, parce que c'est là qu'on dit des choses nouvelles qu'on vient de découvrir. Il faut qu'il ait un billet, qu'il parte, qu'il paye un billet d'avion, qu'il aille en Allemagne, qu'il aille aux États-Unis, qu'il séjourne pendant la période qui paye, des symposiums. Qui devrait payer, c'est le professeur. Pour le moment, c'est le professeur qui prend sur son salaire. Or, le salaire est inférieur à 2 000 $. Donc, je ne vois pas comment il fera pour payer un billet séjour. Donc, là, il rate tous les symposiums tenus dans son domaine. Il ne peut pas acheter, tirer à part des publications parce qu'il n'en a pas l'argent. Il ne peut pas s'abonner sur Internet grand débit. Hein. J'ai demandé à la Poste, les fibres optiques, c'est 700 $ par mois. J'ai demandé, c'est standard, c'est entre 100 et 300 $ par mois. Donc, le professeur ne peut pas avoir un Internet à haut débit, il ne peut pas avoir des tirés à part, il ne peut pas voyager. Il y a un coût. Ce coût, maintenant, qui le paye? C'est là que j'attire l'attention du professeur. Ça se paye par le prof. Non pas de son salaire, comme a dit M. Bonigaba, mais de son expertise. Le professeur vend son expertise. On le rémunère pour son expertise. Grâce à cette rémunération, comme il a vendu un savoir, c'est comme un commerçant qui a vendu des télévisions ou des habits, il fait quoi? Il va encore acheter d'autres savoirs. À revendre, il doit renouveler son stock. Comme le prof a vendu son savoir, il va participer à d'autres symposiums, il va s'abonner pour renouveler le stock. C'est un cercle vertueux. Le niveau du prof ne fait qu'augmenter. Les étudiants qu'il forme, il a des exemples concrets. Vous voyez, Bukangalonzo, il y avait tel problème d'érosion. Nous avons trouvé de nouvelles méthodes de lutte contre l'érosion. On a arrêté à Kindele, il y avait des maisons qui tombaient. Maintenant, il y a un produit nouveau que l'on met sur le sol se consolide. Les étudiants, voyant que ça s'est passé à Kindele, nous pouvons même aller voir, leur attention est soutenue. D'accord. Et l'État, il gagne d'abord, la qualité de l'enseignement augmente, le rayonnement de ses professeurs augmente. En plus, au lieu de payer les bureaux étrangers, parce que là, c'est l'exportation des capitaux. Nous avons déjà peu de capitaux. En exporter, c'est mauvais.
Alors, l'État, en épargnant, parce que le prof peut même être payé en monnaie nationale. Et puis le taux. Le taux d'un prof est entre 80 et 100 dollars l'heure. Mais il arrive que le prof demande même 20 dollars, 30 dollars l'heure. Donc l'État y gagne. Il a une expertise éprouvée, achetée à moins cher, au besoin en monnaie nationale. D'accord, professeur. Je voudrais, vous avez fait des sciences qui vous permettent d'avoir de laboratoire, de vendre ce savoir facilement. Quelqu'un qui a fait, les lettres, je ne sais pas s'il aura la même facilité de vendre son savoir. Excellente question que vous me donnez. Vous venez de citer des lettres. Prenons les lettres, vraiment les lettres. Est-ce qu'on peut en vivre? Je peux dire, si quelqu'un écrit un roman, ou même un théâtre, ou un recueil de poèmes, qu'il vend à 10 dollars l'exemplaire. En Europe, ça se vend à 1 million d'exemplaires, même plus, mais supposez qu'il vende à 100 000 exemplaires. En vendant à 10 dollars, ça fait 1 million de dollars. Oui, mais... Y a-t-il des gens qui vivent des lettres? Nos compatriotes, oui. Le professeur Moudimbe, il a construit son nom, sa notoriété, pas sur la géologie, pas sur l'ingénieur électricien, pas sur la biologie, sur les lettres. Le professeur Kinyongo, et qui, le professeur Kinyongo d'ailleurs, il a été invité à la conférence nationale souveraine avec moi grâce aux lettres. Le professeur Kilanga, qui est maintenant en France à la francophonie, grâce aux lettres. Les autres lettres comme l'histoire, les gens comme Eleki Ambokolo, ils vivent de quoi? Ndaiwel a bâti sa notoriété sur quoi? Sur l'histoire. En dehors de notre pays, si nous traversons le fleuve, le professeur Théophile Obenga, qui est un monument, ce n'est pas un physicien, c'est un historien, c'est les lettres. Si nous allons plus loin en Afrique, le professeur Kizerbo de Burkina Faso, il a bâti une notoriété sur les lettres. Moi, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de science, de connaissances inutiles. Oui. Encore faudrait-il que vous ayez en face de vous des gens susceptibles de comprendre ces pratiques et de le mettre en œuvre. C'est là où je me tourne du côté de mon ami Ganzumba. En économie, nous avons l'habitude de dire « toutes choses étant égales par ailleurs ». Il faut que toutes les choses, toutes les autres choses soient égales pour que les lois se justifient. Sinon, il n'y a pas de loi. Parce que lorsqu'on dit que l'eau bout à 100 degrés, il faut être au niveau de la mer. Il ne faut pas être sur une montagne. Il ne faudra pas 100 degrés pour que l'eau commence à bouillir. Donc, il faut que toutes les choses soient égales par ailleurs. Vous vous êtes concentré dans l'émission précédente sur l'enseignement universitaire. Mais moi, je me rappelle dans ce pays-ci que je suis, mon parcours personnel, passé par l'école et passé par l'école professionnelle et par l'école technique ensuite. Mais à ce moment-là, l'école professionnelle en 57, 8, 9 et 60 à Kikwit, le père Sutor, le jésuite qui l'a dirigé, a provisionné l'école en acier doux de toutes les formes, cylindrique, pour les cours d'ajustage qui allaient jusqu'au tournage et au fraisage des pièces. Mais les moyens venaient d'où? Puisque ce n'est pas l'élève qui contribuait à faire qu'à l'atelier, il ait de l'acier pour pouvoir usiner, apprendre à tourner, à fraiser ou à utiliser les machines outils. Donc vous voyez très bien qu'on peut parler de l'enseignement. Je me rappelle que lorsque nous étions à l'école technique chez les frères des écoles chrétiennes,
au jury de fin d'année pour les finalistes, venaient assister les entreprises qui allaient utiliser les techniciens qui sortaient de l'école. D'ailleurs, le feu professeur Bioya qui a participé avec nous à cette émission, un jour en Allemagne, on lui a posé la question, vous êtes professeur ordinaire, mais votre université est rattachée à quelle entreprise dans votre pays? L'université, l'école, l'enseignement doit servir à la société. Comment est-ce que nous nous organisons pour être utiles à la société par les professeurs à leur niveau, comme le professeur Kassongo venait de le dire, et les élèves aussi à leur niveau, parce que moi je me rappelle, lorsque nous étions à l'école professionnelle, on usinait les clés qui pouvaient servir pour l'industrie, pour les gens qui utilisaient les clés hexagonales et consorts. Donc vous voyez que l'école doit avoir une finalité, c'est pour l'utilisation qu'on va faire de l'enseignement qu'on va s'imaginer. C'est comme quand vous ne donnez pas l'argent à votre épouse pour qu'elle fasse, elle achète la nourriture, ça ne sert à rien de venir lui demander à manger à midi, puisque vous n'avez rien donné. C'est comme nous, on est en train de demander à l'enseignement de nous donner de la qualité, de l'excellence, alors qu'on n'y met pas, on n'y met aucun moyen. Donc il y a vouloir une chose et son contraire. Il faut qu'on soit sérieux. Alors, pour sortir du cercle vicieux, pour aller vers le cercle vertueux, mon cher Bonigaba, il y a une marge. Il y a le prix à payer. Voilà, comme il vient de le dire. Le prof l'avait déjà précédé pour dire il y a un coût. Il ne faut pas chercher des échappatoires pour dire non, mais etc. C'est le prix à payer est là. Donc il faut que quelqu'un paye. Et ce quelqu'un, bon, dans tous les pays du monde, c'est l'État. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Parce que il faut créer les conditions qui permettent maintenant au secteur privé de se développer et de devenir l'un des débouchés de la recherche. Mais si déjà au départ, l'État ne fait pas ce qu'il doit faire pour que tout ça puisse démarrer, ça devient compliqué. Je vais revenir à l'exemple de l'auteur, un auteur brillant, qui publie un ouvrage à succès. Dans un pays qui n'est pas un pays européen, un pays africain du Nord, petit par sa taille, parce que c'est la Tunisie, eh bien, dans ce pays-là, dans les années 80, lorsqu'il y avait un essai ou un ouvrage qui avait suscité l'intérêt, qui avait attiré l'attention, le gouvernement s'engageait à commander 4000 exemplaires. Pourquoi 4000? Parce qu'il faut que dans toutes les ambassades, dans toutes les administrations, dans toutes les écoles, partout, il y ait cet ouvrage-là. Mais vous imaginez des auteurs dans notre pays ici qui auraient cet appât d'avoir... Nous, ce ne serait pas 4 000. Ah oui, ce serait peut-être ça, 20 000 ou plus. Plus. Et le prof a montré comment on peut, déjà avec 10 dollars, hein, la pièce, bon, on se retrouve chez avec... Chez nous, on pourrait même mettre un peu moins, puisqu'on commanderait plus. Oui, parce que d'abord, le gouvernement prend déjà, en fait, le stock qui permet déjà à ce que l'auteur puisse se retrouver. Parce que tout ce qui vient après, le nombre d'exemplaires, là, c'est vraiment du bonus pour l'auteur. Mais si déjà on peut amortir tous les frais avec la commande de l'État, à ce moment-là, les auteurs se sentent stimulés. Stimulés, tout à fait. Ils peuvent effectivement produire encore davantage. Tout à fait. On ne doit pas toujours attendre que les Moudimbé aillent à l'extérieur pour exceller ou les autres qui ont été cités. Il faut déjà, en interne ici, trouver un moyen de stimuler la production scientifique, la production littéraire, oui, pour que les gens... C'est pour ça que je me tourne du côté du professeur Kassongo Numbi. Le professeur Kassongo Numbi, bon, il est connu ici que l'expertise européenne est la plus chère, et donc vous comprenez qu'on soit tenté de faire venir cette expertise pour se faire un peu
un peu d'argent, je n'accuse personne, c'est un peu dans nos mentalités, non? C'est faire un peu d'argent. Ben oui, parce que l'expertise extérieure coûte cher. Uh-huh. Donc, si je fais venir cette expertise extérieure et que je demande un petit... Les dessous des tables. Ben oui, ben, écoutez, bon, il faut critiquer sa société. Oui. Disons que même les Congolais aussi peuvent donner des dessous des tables, pourquoi pas? Je ne crois pas que ce soit ça un problème, hein? Bon, le problème est des deux côtés. Et pour le moment, comme les deux côtés sont lésés, l'État et les chercheurs sont lésés dans la situation actuelle, il faut que quelqu'un décide. Moi, je pense que les chercheurs étant plus lésés, peut-être que l'État qui peut être inconscient. En fait, ce n'est pas un problème personnel pour un homme d'État, c'est un problème de pays. C'est différent d'un problème personnel et d'un problème du pays en général. La jeunesse est mal formée. Bon, je suis responsable. Mais si moi-même, je n'ai pas mangé à la maison, c'est autre chose. Moi, je pense que pour le moment, il faut d'abord moderniser l'aspect chercheur. L'enlever de l'aspect d'un savant qui est distant de la population et de la société, qui regarde tout le monde d'en haut parce qu'il a tellement de connaissances. À ce moment-là, personne ne l'approche pour lui dire « faites-nous ça, faites-nous ça ». C'est même difficile. Ça, c'est une façon de voir le chercheur qui est déjà dépassé dans les pays avancés comme les États-Unis, le Japon et d'autres. Le chercheur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un produit marchand. Comme toute personne qui a un produit marchand, il en fait la publicité, il cherche des clients pour l'acheter. Mon problème est celui-ci, professeur, ce n'est pas pour vous couper. Vous pouvez faire de la publicité, mais si de l'autre côté, vous n'êtes pas écouté à cause des intérêts égoïstes, vous pouvez faire cette publicité. On a résolu ce problème. Mmh. D'abord, nous ne pouvons pas bâtir notre pays sur la corruption. Bon, ok. Donc, ici, nous parlons des principes. Nous considérons que les gens qui prennent les étrangers, ils les font par ignorance. Bon, disons qu'il y ait des gens pourris qui les font par des dessous des tables. Si nous allons là-dedans, on ne s'en sort pas. Je crois qu'il y a des organismes dans notre pays pour des répressions de la corruption. Nous parlons dans les principes. Mm-hmm. Maintenant, si le prof, lui qui est lésé à titre personnel, enfin le chercheur, qui est lésé à titre personnel, ne décide pas de convaincre l'autre que vous avez besoin de ma connaissance, parce qu'il ne veut pas entrer dans le bureau d'un ministre, attendre dans la salle d'attente pour proposer son produit. Il pense que c'est dégradant. Il ne peut pas aller dans le bureau d'un PDG, se faire enregistrer, parce qu'il a un produit à proposer. Il trouve que c'est... Comment l'autre va savoir que ce professeur-là a un produit à vendre? Aujourd'hui, le savoir est un produit marchand. Prenons un homme comme Vantel, qui est considéré pour le moment comme un des plus grands savants, ce n'est pas le plus grand. C'est un biologiste, il est dans la molécule, c'est lui qui a lu le génome humain pour la première fois. Maintenant, il dit, on l'a suffisamment lu, le génome, maintenant il faut le construire. Donc, créer la vie. Ça, c'est une fonction que jusqu'ici nous avons réservée à Dieu. Lui, il pense qu'avec des acides aminés, on peut créer la vie. Ce monsieur était un militaire non instruit au Vietnam. Après, il a dit non, je me mets à l'école. Il a étudié, je vais devenir chercheur. Il l'est devenu. Aujourd'hui, son labo, pas son université, son labo a, par exemple, des budgets de 30 milliards de dollars. Donc, plus que le budget de notre pays. Son labo, aux États-Unis, il a des projets intéressants. Vous voulez fabriquer de l'hydrogène pour que vos véhicules roulent.
Eh bien, je suis en train de fabriquer des bactéries, changer leur ADN pour qu'elles produisent de l'hydrogène. Parce que vous savez, dans la fermentation, les bactéries produisent déjà le gaz méthane, qui est utile. Donc, si un professeur dit, vous préparez au charbon, vous avez... Donc, je vais fabriquer... Révolutionner. Je vais fabriquer des bactéries qui vont fabriquer en grande quantité le gaz méthane, en grande quantité telle chose. Il est fort possible que quelqu'un qui dise, comme je vends le gaz méthane, professeur, je finance votre recherche. Un pharmacien qui dit, je vais trouver une molécule contre la malaria. Contre la malaria, qui sera plus forte que la quinine. Il est fort possible qu'il trouve un financement. Mais pour ça, il faut qu'il crie Yaléo, comme crient les mamans qui vendent le poisson à Bukama. C'est-à-dire, mes poissons sont d'aujourd'hui, les autres, leurs poissons. Enfin, elle n'attaque pas les autres, elle dit, mes poissons sont, viennent de l'eau aujourd'hui. Vous savez, les poissons qui viennent de l'eau le jour même sont plus. Ont un goût meilleur. Bon, si le prof ne descend pas de ce pédestal de savant, il veut rester dans son bureau disant, écoute, les dirigeants savent que c'est l'université, le lieu du savoir, pourquoi ils ne viennent pas. Là, il perd son temps. Là, non. Le prof doit penser qu'aujourd'hui, c'est un homme qui possède un produit marchand. Et doit le vendre. Toute personne doit le vendre. Et rassure-vous, tous les laboratoires aux États-Unis n'ont pas le même budget que celui de Vintel. Donc, ça dépendra de l'activité de chaque professeur de deux façons. D'abord, l'accumulation de produits à vendre, donc l'accumulation de connaissances, et sa capacité de le vendre. À ce moment-là, dès qu'il y a concurrence entre profs, il y a l'émulation. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur Gardouba? Je vais faire l'interpolation entre ce que dit le professeur Kasongo et ce que a l'habitude de dire M. Bonigaba qui me fait face. L'État. Non, il faut qu'il y ait une interaction entre toutes les parties pour que les choses étant égales par ailleurs, on obtienne les résultats qu'on veut. Regardez. Lorsque, entre 1940 et 1945, le Royaume-Uni, l'Angleterre, sous la gouvernance de Churchill, fait face aux attaques de l'Allemagne nazie de Hitler, Churchill fait appel à un professeur de physique de l'université de Oxford ou de l'autre université Cambridge pour venir augmenter les capacités de l'armement de la Grande-Bretagne pour lutter contre Hitler, etc., etc. Donc, il y a quelque part le pouvoir public par celui qui le dirige qui fait appel à une connaissance spécifique reconnu par ailleurs, parce que ces professeurs-là avaient publié, on savait qu'il était un grand mécanicien, etc. C'était un génie de la mécanique. Et de l'autre côté, Hitler faisait la même chose. Vous avez vu que lorsque nous avons été reçus dans le cadre de cette émission par le Premier ministre Matata, son bureau était garni des œuvres d'art. Mais il a fallu une volonté de la part du Premier ministre de commander chez les peintres congolais qui enseignent pour certains à l'Académie des Beaux-Arts pour qu'ils puissent trouver, ils puissent combiner leur art, leur savoir avec les moyens pour qu'ils puissent exister. Donc il faut qu'il y ait une interaction. Bien entendu, les professeurs doivent promouvoir leurs connaissances de façon qu'elles soient utiles, mais de notre côté, ceux qui ont les moyens étatiques doivent aussi savoir
devrait aussi savoir, je mets ça au conditionnel, devrait aussi savoir que ces moyens, ils peuvent le mettre au service du progrès à travers les gens qui en sont capables, c'est-à-dire les savants, ceux qui connaissent, etc., etc. C'est ce que je disais tout à l'heure en posant la question au professeur pour dire est-ce que encore faudrait-il que vous soyez entendu par vos interlocuteurs. Je vous donne la parole tout à l'heure. Oui. Pour l'appuyer, vous savez, j'ai insisté sur le rôle de prof parce que l'erreur fondamentale est là. Beaucoup de profs attendent le moyen de l'État. C'est une erreur. Maintenant, l'État, c'est comme il a dit, il doit donner des subventions, mais ça n'a jamais suffi dans tout le pays développé. Mais l'État a le pouvoir étatique, comme il a dit. J'ai vu que la plupart des bureaux d'études qui arrivent maintenant, c'est de plus en plus africains, surtout les Tunisiens. Ils m'ont recruté pour l'établissement de la carte hydrogéologique du pays. Vous avez 2 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, j'ai dit, mais pourquoi c'est toujours vous, les Tunisiens? Ils nous ont dit, c'est Bourguiba. Bourguiba a pris les décisions, notamment la décision dont a parlé Boni Gaba, que celui qui écrit un livre, l'État achète d'abord pour l'encourager. Je pense que mon collègue a raison. Il faut une volonté politique. Mais cette volonté politique, par exemple, je donne un exemple en Belgique. La Belgique a décrété que toute personne qui n'est pas professeur d'université, qui propose une méthode, ça doit être accompagné d'une attestation que c'est valable d'un prof. Pourquoi la Belgique a fait ça? C'est une façon de financer le prof. Parce que le prof ne va pas signer cette attestation gratuitement. À la légère, oui. On va dire que non, pour signer cette attestation, mais mon laboratoire doit lire pour voir si c'est bien et ça coûte autant. Donc l'État doit penser à trouver... À accompagner. Mais le prof doit d'abord convaincre l'État que la recherche lui est utile. Merci. Plus près de nous, Musée avait appelé les profs. Vous savez qu'il y a eu même des armes qui ont été fabriquées ici. Oui. Mobutu, le professeur là qui avait dit qu'il a trouvé le médicament contre le sida. Vous savez bien que Mobutu lui a donné même des gardes-corps. Le professeur Malwa Kalenga, Mobutu l'avait bien soutenu. On demande un soutien, effectivement. Donc, n'allons même pas en Europe. Ici, chez nous, les cas ont eu lieu. Musée avait demandé que les chercheurs du pays fabriquent des armes et... Alors, Monsieur Boni Gaba, c'est vous qui avez l'honneur de conclure. Parce que c'est vrai qu'on a toujours chargé l'État. Le professeur nous a dit que ça ne suffisait pas. Il fallait que les professeurs se prennent aussi en charge, tout en demandant à l'État de continuer à faire son travail. Il fallait qu'on vende ce savoir. En vendant ce savoir, d'abord, le savoir doit être renouvelé. En le renouvelant, on l'enseigne de manière efficiente aux enfants et le pays ne pourra que s'en porter bien. Alors, vous allez terminer, je vous voyais trépigner d'impatience. Votre conclusion, c'est laquelle? Ça sera la conclusion de cette émission. Eh bien, je crois que finalement, tout le monde a raison. Parce que, nous l'avons dit, l'État doit jouer son rôle. Et aujourd'hui, il est loin de jouer son rôle. C'est vrai que les professeurs aussi doivent comprendre qu'il faut maintenant aller à la recherche des marchés pour le savoir qu'on détient. Mais si l'État continue à être laxiste dans la manière de mobiliser les ressources, les choses vont être très difficiles à l'avenir. Je venais de lire avant de venir ici que sur une période de 10 ans, les sous-sols congolais a produit pour 50 milliards de minerais qui ont été vendus. Et sur les 50 milliards, seulement 6 milliards sont tombés dans les caisses de l'État. À cette allure-là, ça va être difficile pour un gouvernement de mobiliser les ressources là où il faut aller les chercher. Parce que on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, mais il faut savoir où est l'argent, il faut aller le chercher là où il est. 50 milliards de produits, production, seulement 6 milliards prélevés par l'État, le rapport me paraît très déséquilibré pour l'avenir. Encore faudrait-il que ces informations soient
vérifier. Elles sont vraies. Elles sont vraies. De ouais, spécialistes. J'ai les mêmes chiffres aussi, je les ai lus. Encore faudrait-il que vous me laissiez le temps de les vérifier. Bon, enfin, l'information a été donnée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, comme la dernière. Et ainsi, nous avons clôturé cette série avec beaucoup de bonheur. Merci, professeur Kassongonoubi. Merci, monsieur Ganzumba. Monsieur Gazumba. Je ne sais pas pourquoi je maltraite votre nom. C'est la mauvaise foi. Hein, non, les plus connus, c'était les Kazumba. Alors, quand vous nous flanquez du Gazumba, ça devient compliqué. Toutes mes excuses. Alors, monsieur Bonigaba, merci d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, nous viendrons avec un autre titre qui, je l'espère, vous plaira comme les titres précédents. Bonsoir, bonjour chez vous et à bientôt.